Mon équipage a toujours eu soif de richesse. Notre cher ami Duke nous parlait souvent de ces artefacts maudits perdus aux quatre coins des mers de Sea of Seas. Un nouveau défi à relever. Levez l'ancre, matelot. Aiguisez vos lames. Comptez vos munitions. Le sang coulera à flot sur ces mers. Je suis à portée des canons. Tout est prêt. Les canons sont pointés sur eux. J'ai l'impression qu'en fait, ils attendent d'être... Ils sont là. Je le vois courir sur son pont. Ah ouais. Et il a sauté, ce con. S'il fait. Là, il va peut-être aller chercher un baril. Ouais, je pense aussi. Ouais. Tuez-le, moi. Tuez-moi, ce mec. Ouais, bah attends. Il est derrière. Il se cache. Il s'infiltre sur son propre bateau. Incroyable. Tu comptes faire quoi, là, Ratata, en fait? Tu me vois ou pas? Non. Zéter, en vite fait, les 2-3 coffres qu'on a, tu vois, on les tape même, juste on les tape, et après on se barre, et en fait, moi je reste infiltré sur ce bateau-là, ils font le fort et on les baise après. Si tu veux. C'est une bonne idée. C'est un bon plan, j'accepte. Ouais, bon bah faut écoper. C'est bien. Avec les autres, on va parler, mais il faut leur dire dans ce cas-là. Excusez-moi, monsieur, on a réparé le bateau. Allez-y. Oh non! Quoi? Je suis tombé sur un baril de squelette alors, je me tape pas avec un autre squelette. Ça peut taper tous les corps. Putain, c'est quoi, je vais jouer comme ça, tant pis. Vous m'entendez? Ah oui. Ok. C'est différent, je dirais que tu parles avec ta kiné, je sais pas quoi, mais c'est pas grave. J'avais un point de vie, j'ai réussi à tuer les deux, les gars. Nice. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Je les sens pour aller prendre de la bouffe chez eux parce que j'ai pas de bouffe. Et là, le tiré spawn juste derrière moi. Alvara. Bon. Tu peux réinfiltrer, c'est bon? Tu peux réinfiltrer, ils viennent de mourir. Ouais, faut leur laisser le temps de réparer, non? C'est réparé, c'est copé. C'est réparé et copé. Ouais, on leur a laissé un peu d'eau. Ouais. Ah ouais, mais par contre, ils ont plus de barres, ils ont plus rien, ils peuvent pas réparer. Ouais, ils vont aller sur le fond. Ils ont plus de planche. Ça vient de respawn. Ouais, et puis à un moment, je pense que tu pourras te laisser laver, je pense, chacun. Ou alors que cache-toi maintenant, mais genre. Vas-y, mais... Mais vas-y, non, mais c'est bon, ça fait deux fois qu'il me faut... Oh putain! Oh putain! Oh le... Boum, boum, boum! T'as vu? Oh putain! C'était moi le détonateur. Franchement, je suis pas très inquiet. Le noob est... Le noob est mystérieux, le noob est... imprévisible. J'entends quelqu'un, gars, ils sont là. C'est qui est au bateau là? Qui est à notre bateau? Personne, moi j'arrive là. Ouais, c'est... Ah. Ils sont quand même son coup de trop long, hein. On a un deuxième qui arrive. Il a qu'un baril, voilà, il s'est fait péter avec son baril, ce con. J'avais dit, hein. Il est mort avec, hein, mais. C'est quoi? Vraiment, j'ai besoin d'aide, les gars. Là, non, c'est bon. Cautériser un peu, Jacob. Légende pirate! Oh, attention! Allez, on les finit ou quoi? Je leur ai demandé, hein, s'ils voulaient, on leur laisse le fort et tout, ils... pas de réponse. Moi, si on les finit. Ah ouais? Ouais. Ça va durer 3 heures, ils vont utiliser tous les barils du fort. Ils vont essayer de nous couler, ils vont jamais y arriver. Moi j'en ai marre. Il est dans la tour, ce con. Je l'ai touché. Encore touché. Nice. Il est mort. Ouais.
Oh, c'est Taïm, gros. C'est Taïm au pistolet. Hein. Dans sa vigie. Allez, on finit ça. De toute façon, ils reviendront. Ils vont l'air déterminés, ils vont revenir. Nous ignorions qu'un butin bien plus précieux se cachait au fond des épaves. Qui aurait pu le prévoir? L'ennemi s'est déjà emparé du trésor, maudit pirate. Nous les traquerons jusqu'à la mort s'il le faut. Que le vent et la lumière nous guident. Ils font une femme, non? Je vais dire ça tout de suite. Je crois qu'ils font la femme. Sur le navire. Tous morts, Dash EP mort. L'encre, chaque fois. Ah, ils ont remonté l'encre, ils ont réussi à remonter l'encre, c'est bon. Gauche. On est bon. Oui, ils viennent pas nous faire chier avec les mecs. En position. Ils font la fable du Chad Breaker. Mitesley ou bien coulez-les, mais faites vite, nous, le truc le plus important, j'y suis presque. Allez, on se casse. Il s'éloigne à gauche. Oh, tu ne prends plus? Vas-y, tu peux tenter. Si tu peux, là. Parce que là ils font une full gauche. On va surveiller un peu pour moi les échecs. What the fuck? Quoi? Bah j'ai crash aussi. Toujours au bon moment. J'ai voulu baisser mon ancre, mais non, c'est pas baissé. Ils sont arrêtés. Ils sont sur le côté, allez les chercher. Non, sur le dernier, ça a commencé à trembler. On a pris quelques boulets, je vais juste réparer le bateau. J'y vais. Ah non, on n'a pas pris de trou en fait. Ils sont sur les côtés. Ils sont mal foutus en plus. Ils sont face à l'île. Ils doivent redémarrer. Ils risquent de rentrer dans l'île et tout. Logiquement, ils sont super mal barrés. Ça marche. Ah, je vais faire le demi-tour parce que bon. C'est solo, nana, solo. Regarde, tu peux prendre le canon de droite et t'éjecter. Ils sont là-bas. Tu peux aller déjà court. Maintenant. Après, ils prennent la bouffe avant. Ah. Un mort. Il faut, okay. De faut trouver le coffre. D'ailleurs, je vais voir si le coffre est toujours sur leur navire. Ouais, il est toujours sur leur navire. Y'a rien à la vigie. Ah, ils reviennent, je les entends nager. Il a pris une balle, lui. 2 balles, il est mort. Y'a un mec en bas. Il est là. Oh, il m'a mis une balle. C'est bon. Ah, c'est 130. Ouais, bombarde-moi ça. Qu'est-ce qu'ils foutent avec le coffre qui se balade sur les. De toute façon, s'ils ont pas de navire, ils peuvent pas s'échapper. À moins qu'il y ait un qui tourne une chaloupe et qu'il y ait une. Même s'ils tournent une chaloupe, on le voit en fait. On peut s'échapper avec ce coffre-là, c'est pour ça que c'est hyper risqué. Qu'est-ce qu'ils foutent? Oh, j'ai vu une kit direct. La tête de WAM, le mec il. Il est en train de se balader sur l'île avec son. Bon, ah ouais, je vois le coffre qui se balade sur l'île en fait. Il y a un mec qui a chopé le coffre qui se balade sur l'île avec. J'arrive. Donnez-moi une info par rapport au... Ah oui, je donne l'info. Il est vers le sud-est de l'île. Non, il est sur la ouais, d'accord, sud-est. Il a vu, ça c'est pas mal. Du coup, il retourne vers mon bateau en fait. Il retourne vers c'est un bon, peu vers mon bateau. C'est bon, je l'ai envie. Hello my friend. Et il commence à sentir le stress monter. Là, il va se dire, oh merde. Ah bah non, Viens avec notre petit coffre, toi. Viens. Je suis là, j'arrive, ratata, je suis là dans le. Même pas 30 secondes, je vais. Il est mort, c'est bon, je l'ai eu. Ah, il est mort avec le geyser.
Non, c'est moi, je l'ai tué, mais le geyser, par contre, il m'empêche de prendre. Ah, voilà. Allez. Bien joué, ça. Et voilà. Et voilà GG, les gars. Et gros, voilà. Et gros, premier... Voilà, hein. T'es pas en live? Non. Mais gros Elle est à moi, la boîte, gros. Elle est à moi, la boîte. Ah, d'accord, tu... Trahison. Boum, Shaka. Une interception. Trahison. Mais c'est un risque qu'on court toujours. Il y en a un de vivant qui veut essayer de venir chez nous. Ah bah qui vient. Mais il riposte. Hello my plan. Hello my... C'est Zaggy, c'est Zaggy. Pardon me. Oh, thank you my plan. Il a un baril, il a un baril. Ils sont au coude à coude sur la dernière ligne droite. Ah, pas de baril, c'était un coffre. Ah non, c'est un coffre. Il rapportait un coffre. Ah, ouais, un coffre d'aventurier, j'ai fait. Ah, c'est un cadeau pour nous. J'en ai pas besoin. Paf. C'était vraiment... Eh ben moi, vous m'attrapez jamais. Et ben moi, vous m'attraperez jamais. Sacrée poursuite, hein. Allez, vas-y. Hey Juke, j'ai un truc pour toi. Hey Juke. Ouais, hein, salut, quoi? Hey, tiens, regarde. Oh, on en dit pas que c'est encore un de ces coffres, le truc. Vous laissez la barre, ça les gars. Ça bouge, ils ont pris le coffre, ça bouge. Ouais. Ils ont récupéré. On est à fond. Ils vont à Daggertooth, ils vont à Daggertooth. Ça y est, ça se dirige vers l'avant-poste. Ça y est, ils sont en plein dessus. Bon, c'est du 2v2, vous loupez pas. Je me mets ailleurs, moi, pour les voir. Moi, ouais, c'est de les back un peu ou pas, mais faut que tu sois là à temps aussi, hein. Faut pas qu'ils fassent un vide. Pour ton tour. Donc tu veux que j'aille toujours au deuxième? Je suis quand même caché, encore caché derrière l'île en faisant le demi-tour. Toujours le spawn. Faut même venir en renfort s'il faut. Ah, ouais, le v'là. Il arrive. Mais... Il arrive. T'es lui à la gorge, j'ai défoncé. Il est là. Saute à la gorge. Il a pris une balle. C'est le deuxième. Il est mort. Allez, j'accorde, t'inquiète, prends l'agro, j'ai le coffre. Je cours, je vais le voler, je vais le vendre, c'est bon. Je l'aurais baisé. Mort, c'est bon. Bien joué, ça. T'as tué les deux, Chacor? C'est bon, j'ai J'avais peur qu'il y ait un fail, désolé les gars. Et voilà. Hey, regarde, il y a une petite gemme verte qui brille là dans les escaliers. Vous avez leur loot aussi. Hey, il y a leur bateau et tout, hein. On les coupe. Ouais, il y a leur bateau. Je monte à celle de l'avant. Je prends des balles. Ça, tu vas pas tarder derrière la pop, je pense. Faut vite le tuer. Ok, prends des balles. Je vais temporiser, je le vois là-bas. Ah là. Oh. Vraiment pas de chance. Une balle, mort. Mort. C'est encore des barils, hein. Je vais en chercher. Je vais voir s'ils ont encore des barils. Ils ont encore des barils, gros. Ils ont masse barils, gros. Barre-toi. Moi je retourne à notre navire maintenant que ça s'est géré ici. Putain ce bruit. J'ai entendu ça, moi j'ai entendu de chez moi. J'ai entendu par ma fenêtre IRL, mec. Ah, ils avaient masse barils, gros. Ils avaient au moins 5-6 barils. Ils doivent bien être déçus. Voilà. On va jouer baril. Ça se retourne contre lui. C'est pour ça que moi je déteste jouer de baril dans mon truc. Si jamais il y a un petit malin qui, de tournée, il remonte dans notre truc, et nous qui sommes bien perdus.